Bonsoir, Coulc. Bonsoir. Félicitations pour cette brillante victoire. Merci. Il y a eu cela 20 ans, Michel était là avec cette même formation du Sili. Vous avez gagné contre la tête des Congo aujourd'hui, l'histoire se répète. Qu'est-ce que cela vous fait? Plaisir, évidemment. Ça fait plaisir, surtout qu'on est engagé dans une course à la qualification et qui n'est pas finie. Mais on prend ce qu'il y a à prendre. Et ce soir, on a fait tomber une équipe de RDC qui, sur les 5 derniers matchs, avait fait des clean sheets en gagnant tous ces matchs. Donc voilà, c'est une performance qui n'est pas moindre que de gagner ce match, même si ça a été à la toute fin. À la fin du match, à un certain moment, on a vu l'inquiétude dans le visage parce que mathématiquement, si on restait avec le match de la Guinée, allait partir à Darcelan avec la troisième place. Les dernières minutes, comment vous avez vécu ces moments de la tête? C'était quoi la réflexion avant le but libérateur de Serge Guirassy? C'est qu'on croit toujours et qu'on espère toujours qu'on peut gagner un match, même quand on arrive à la toute fin. Les joueurs ne se sont pas démobilisés, ils sont restés concentrés sur leur sujet. Et donc on est sur cette gestion de fin de match en se disant que on le savait déjà au départ. C'est-à-dire que même on s'était dit, si on marque à la 91e, ben ce sera comme ça. Parce que c'est des matchs qui sont très serrés et qui basculent chaque fois sur des détails. Aujourd'hui, la réussite elle a été de notre côté. Donc, faisons acte de ça, prenons acte de ça. Maintenant, on n'a pas fini. Il reste encore un match à Dar es Salaam pour aller chercher cette qualification. Je vous prends au mot, c'est pas fini. Il y a un résultat quand même à aller chercher en Tanzanie. Mais cette victoire aujourd'hui change beaucoup de choses. Vous pouvez vous contenter d'un match nul en Tanzanie pour vous qualifier. Avec quel état d'esprit vous y allez pour chercher quel résultat pour gérer ou vraiment gagner? En tout cas, ce qu'on veut, c'est pas subir. On sait que ça va être chaud là-bas, le stade va être plein, il y aura beaucoup de supporters qui vont pousser leur équipe. Et donc, il y aura beaucoup de pression, des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que chercher la qualification en devant son public, c'est pas toujours aisé. Mais en tout cas, ça passe par le jeu, quoi. Ça passe par le jeu. Si on arrive à être toujours rigoureux et bien organisé, comme on l'a été ce soir, même si en deuxième mi-temps on a laissé un petit peu quelques espaces au milieu. Mais en corrigeant ça et en faisant déjà un bloc équipe très compact, on s'attend à leur poser des problèmes. Maintenant, c'est pareil, c'est une finale, ça va se jouer sur des détails. On part avec 2 points d'avance, mais ça ne garantit rien. Mais ça nous met quand même dans une bonne posture. Comment se porte Mohamed Malick Camara? On a vu un peu, il est sorti sous blessure. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il sera même de jeu contre la troisième place? Et deuxièmement, c'est lui qui reste aujourd'hui, on sait que le 16 décembre prochain sera délivré, ou sera donné donc, le ballon d'or. Est-ce que vous sentez en lui cette confiance qu'il dégage et qu'il a encore cette envie d'aller décrocher ce trophée? Est-ce que cela lui permet aujourd'hui encore d'être épatant? Non, concernant Madi, il a beaucoup couru, donc il a souffert, il a été mollet un petit peu endolori ce soir, mais tout va bien pour lui. Quoi. Maintenant, on est sur la récupération. C'est vrai que ce match va vite arriver. Maintenant, je pense qu'il sera rétabli, en tout cas pour la confrontation intéressante. Concernant Serrou, je pense qu'il ne pense pas au trophée quand il est comme ça dans les matchs avec le Sidi. Je pense surtout à marquer et à faire gagner son équipe. Maintenant, après, je n'ai pas de position à prendre, mais forcément, j'ai une préférence pour lui. On a vu un an plus tard, vous avez transformé cette équipe, 3 matchs, 3 victoires. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce que vous avez observé de loin ou encore de près, puisque vous étiez à un moment donné, je crois, superviseur de cette équipe? Et la deuxième question, durant une quinzaine de minutes, on a vu Moussa, pendant qu'on était à 0-0. Est-ce que c'était fait exprès ou bien c'est parce qu'il y a eu un manque de communication, il ne savait pas qu'on était deuxième enseignement. Pardon, troisième enseignement derrière la Tanzanie. Non, non, on lui disait ne pas gagner du temps. Je pense qu'il n'avait pas réalisé qu'il nous fallait une victoire absolument parce qu'un match nul ne nous suffisait pas. Donc oui, on a crié à chaque fois hein, pour qu'il relance plus vite parce que le temps était compté forcément. Donc, voilà.
la première question, c'était... Je pense que ce qui a changé, c'est qu'il y a une véritable réaction d'orgueil et que tout le monde s'est mis dans le bon sens en se disant qu'on était au bord du gouffre et qu'il fallait une réaction collective. Et cette réaction, elle a eu lieu. Donc aujourd'hui, c'est aussi un petit challenge quand j'avais donné aux joueurs de la RDC, parce que ça faisait 20 ans, mais aussi enchaîner avec une troisième victoire, parce que ça aussi, c'est assez rare avec la Guinée. Donc c'était les deux challenges et les deux objectifs ont été atteints. Et aujourd'hui, on va vite faire tout faire pour la récup et partir à la salle. Bon, on va voir déjà l'état des joueurs. Comme j'ai dit, il faut commencer à récupérer. On va voir comment chacun a bien récupéré et si tout le monde est prêt à faire ce match-là à Dar-es-Salaam. Donc maintenant, on est tous sur la récup. Le laps de temps est court. On a un long voyage pour aller là-bas. Donc on va tout faire en tout cas pour que les garçons puissent récupérer et nous rendre service encore pour ce dernier match. Et coach, techniquement, tactiquement, et physiquement, quelle analyse faites-vous de ce match, sachant que c'est autant moral que vous avez pu gagner par un score très 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 élevé. Maintenant, la seconde question, coach, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire vous coach? Oui. Oui, c'est vrai. Et je pense que quand j'étais à la tête de l'équipe, on a toujours fait des bonnes performances ici en Côte d'Ivoire. Donc, on va dire que le terrain est propice, quoi. Maintenant, comme je l'ai dit, on va essayer d'aborder ce match là-bas avec toute l'ambition et toute la concentration qu'il faut pour chercher un résultat. Au niveau technique, je pense qu'on a fait de bonnes choses dans la première mi-temps. On a su poser des problèmes à cette équipe de RDC, qui, je l'ai dit, qui n'est pas facile à manœuvrer et qui ne concède pas beaucoup de choses aux adversaires. Mais bon, à pêcher un petit peu à la finition. Et puis, après, physiquement, on a un petit peu souffert, c'est vrai, sur la seconde mi-temps. On a un peu déserté au milieu de terrain, ce qui a donné pas mal d'espace à l'équipe de RDC. Mais au final, on n'a pas concédé grand-chose non plus en occasion franche. Donc voilà, globalement, c'était un match qui était tactique entre deux belles équipes et qui s'est joué pas grand-chose. Contrairement aux deux premiers matchs, on a vu un Chekoumar Kone assez tranchant ce soir. Pour vous, et si on vous demandait de l'accorder une note? On ne donne pas des notes à des gens qui n'ont pas commencé le match. Mais c'est vrai qu'il a fait une bonne rentrée. Ça n'a pas été toujours le cas sur les matchs précédents, mais je pense qu'il... C'est toujours difficile de prendre le train en marche et de rentrer dans un match où il y a de l'intensité. Donc ça s'est beaucoup mieux passé aujourd'hui. Entre guillemets, c'est comme s'il avait pris aussi de l'expérience par rapport à ses entrées en jeu qui ne sont pas faciles à appréhender, surtout que lui était plutôt habitué à démarrer les matchs. Donc aujourd'hui, il a trouvé le bon tempo pour rentrer dans le match et aider l'équipe. Merci coach et merci. Bonne chance pour le dernier match.